Salut à toutes et à tous, c'est Protoc, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, bon bah ceux qui viennent de rejoindre la chaîne ils m'ont jamais vu, mais bon ceux qui la suivent depuis un moment me connaissent un petit peu, j'ai déjà fait des streams etc. Bon j'ai pas été là parce que j'ai repris les cours machin, et puis bon je vais essayer de reprendre un rythme d'une vidéo par semaine, bon on va voir comment ça va se faire, mais normalement ça peut le faire. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo, j'avais pas trop de sujets un peu spéciaux etc. et bon, en ce moment, on parle beaucoup des réfugiés, etc. Et Daesh, bon, bah ça, on en parle depuis un bon moment. Mais j'aimerais bien refaire un petit point un peu pour tous ceux qui sont un peu largués. Parce que, bon, on parle de beaucoup de choses, des vagues de réfugiés, de la Russie aussi qui rentre en guerre. Et voir un peu comment tout cela a évolué. Donc, il faut savoir tout d'abord que Daesh, bon, bah c'est des intégristes religieux, machin, ils font des choses vraiment pas bien, exécuter des personnes, etc. Bon, ça, je pense que tout le monde vous savez, je vous apprends rien par rapport à ça, mais je doute fortement que tous ceux qui sont présents ici sachent un peu le pourquoi du comment de ce qui se passe partout. Donc, c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de vous expliquer de façon un peu simple et assez complète. Parce qu'en ce moment, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, même si ça a peut-être passé un peu inaperçu aux informations. Moi, j'en ai quand même entendu parler et j'avais envie de faire une petite vidéo là-dessus. Donc, premièrement, on va parler de Hollande. Oui, Hollande. Faut savoir que nous avons fait des frappes aériennes depuis un an avec les États-Unis sur Daesh, donc tout le pseudo-califat que Abou Bakr al-Baghdadi essaye de faire. D'ailleurs, Abou Bakr al-Baghdadi, si vous savez pas, c'est le maître suprême de Daesh. Et il avait d'ailleurs été assez blessé apparemment pendant des bombardements de cette dernière année de bombardements. Faut savoir que déjà ces bombardements n'ont pas eu grand effet, à part faire dépenser des millions d'euros aux États tels que la France ou encore les États-Unis, en sachant que les États-Unis dépensent quand même beaucoup plus. Bon, ils ont quand même un budget assez conséquent dans l'armée. Bon, ça j'en ai déjà parlé, je trouve ça un peu aberrant tout l'argent que les États mettent justement dans l'armement, etc. Bon, faut bien se protéger, mais bon, il y a des limites à tout quand même. Donc ces frappes ont eu quand même une importance assez minime, à part évidemment tuer des djihadistes ou tuer des civils. Bah, faut savoir quand même que faut pas se leurrer, il y a beaucoup de civils qui sont morts. Hein. Je sais pas si vous avez vu des fois des vidéos qui circulent sur Facebook, etc. Il y a eu quand même des choses atroces de commises. Après, il y a beaucoup de gens qui ont eu des gros traumatismes à cause de ça. Et même pas juste à Daesh. Hein. Faut savoir qu'en Irak, c'était aussi le Sbeul à l'époque. Hein. D'ailleurs, j'en reparlerai après parce que l'Irak, ça a été quand même un élément assez perturbant et qui se répercute encore maintenant, justement. Donc justement Hollande c'est le maître des armées quoi, c'est le général de toutes les armées françaises. Et donc en tant que chef des armées, il se doit d'assumer son rôle de chef d'armée tout en essayant de faire pour le mieux pour la France. Mais il ne se rend pas compte d'une chose, c'est que Bush avait déjà attaqué l'Irak après le coup des Twin Towers, donc le 11 septembre. Et le problème, c'est que en attaquant l'Irak comme ça, les populations, même en désaccord avec le régime en vigueur, même s'il n'était pas, disons, aussi violent quand même que Daesh, mais c'était quand même bien énervé, le problème, c'est que la population n'a vraiment pas apprécié en Irak et aussi en Afghanistan. Et du coup, ça a entretenu cette rancœur envers les États-Unis, qui au final, Daesh est un peu le petit-fils de ce qui se passait en Irak, parce qu'il y avait toujours un régime djihadiste, etc. Les djihadistes étaient vraiment implantés en Irak, et avec Oussama Ben Laden, ils reprennent un peu les mêmes principes, mais remixés à leur sauce. Et du coup, Hollande réitère la même erreur avec Bush. Le souci, en fait, c'est que Hollande, du coup, se met en porte-à-faux, justement, avec ce problème qui persiste, c'est qu'ils attaquent mais sans aucun effort. Et ils savent pas régler les problèmes autres qu'avec les armes. Ensuite, il faut savoir qu'il y a aussi Poutine qui a décidé de rentrer en guerre. Bah oui, Poutine, donc la Russie. Ensuite, il veut essayer de rentrer en guerre parce qu'à l'époque, la Syrie et lui, donc le chef de la Syrie à l'époque, c'était Bachar al-Assad, ils étaient alliés. Et du coup, il n'a pas encore bougé trop pour virer Daesh. Et là, il a décidé de rentrer en guerre avec eux. Donc, il y a déjà eu des bombardements de lancer, etc. Et la Russie a réussi à reprendre l'aéroport international de Syrie. Donc, c'était l'aéroport de Bachar al-Assad, en gros. Et ça montre quand même que la Russie s'implique un peu quand même.
J'avais vu aussi un truc sur Nostradamus. Bon, ça, je pars un peu à côté, mais c'est une petite anecdote qui reste bien dans la vérité sûre. Nostradamus avait prédit que la Russie jouera un rôle majeur justement l'arrêt de l'Antéchrist. Donc l'Antéchrist, c'est évidemment c'est Daesh, donc qui est contre le Christ, vous l'avez compris. Donc pour en revenir à mes moutons, les frappes en Syrie de la Russie, c'est pour un peu se foutre de la gueule des États-Unis. Hein. Enfin, vous savez très bien que Poutine et Barack Obama s'apprécient pas trop, parce que Poutine apprécie vraiment mettre des bâtons dans les roues à Barack Obama. Mais bon, ça, je pense que vous le savez. Et en plus, du coup, bah, ça accroît son pouvoir au niveau international, parce que sa présence, du coup, est pas forcément voulue des États de l'ONU. Et lui, il n'en fait un peu qu'à sa tête. Et les États-Unis ne disent rien parce qu'il a l'arme nucléaire, etc. Et puis c'est Poutine, hein. La démocratie et le vote où tout le monde participe de façon égale, c'est un peu faux. Quand on voit les mémés aux dernières élections qui mettaient plein de bulletins pour Poutine, il laissait faire ceux qui s'occupaient des bureaux de vote, c'était un peu chelou. Donc voilà. Et le point le plus important de l'actualité en ce moment, c'est justement ces frappes aériennes ont un effet aussi indirect. Est-ce qu'on reçoit en ce moment beaucoup beaucoup d'émigrés de Syrie, d'Afghanistan, etc. Donc chacun d'eux demande l'asile politique parce que bon, non, réfugié de guerre, excusez-moi. Et ce statut, certains l'ont et certains ne l'ont pas. Et du coup, le fait d'avoir plein de réfugiés, et ça entraîne des grosses discordes en Europe. Par exemple, vous avez sûrement entendu que la Hongrie a fermé ses frontières à cause des vagues de réfugiés. Les Hongrois n'aiment pas trop les réfugiés, à vrai dire. Au début, c'était juste fermer les frontières. Donc, mettre des vigiles, etc. Peut-être filtrer, tu vois, pour pas qu'il y ait trop trop de monde. Après, ils ont carrément clôturé le tout, hein. Enfin, leur frontière, là, elle est clôturée. Tu peux pas passer si t'as pas un passeport ou une carte d'identité européenne. C'est très très difficile. Et maintenant, ils ont décidé, comme ça, qu'ils tiraient à vue. Maintenant, si un réfugié veut passer et qu'il se fait choper, ils ont le droit de lui tirer dessus. Et autrement, il peut être jugé et être condamné à une peine d'emprisonnement pour avoir essayé de passer la frontière et fuir la guerre tout simplement, alors que tout un chacun, au final, quand tu as une famille, tu as juste envie qu'elle se porte pour le mieux. Donc si ton pays entre en guerre et que t'as rien moyen de faire pour ton pays, tu t'essayes de partir, trouver un endroit meilleur, ce qui est au final un peu normal. C'est ce que l'Allemagne a décidé aussi, c'est que ils ont décidé qu'ils allaient accueillir les réfugiés justement pour leur permettre justement de repartir sur de bonnes bases. Et si la situation dans les années à venir se rétablit de façon positive en Syrie pour qu'ils puissent ensuite retourner dans leur pays et qu'ils soient en sécurité. La sécurité, c'est un peu ce que tout le monde recherche, hein. Nous, on a l'habitude parce qu'on est dans un pays relativement tranquille, même s'il y a un attentat par-ci par-là, on n'a vraiment pas à se plaindre. Et nos conditions de vie, même si on se plaint des fois qu'on peut pas se faire un domac ou quoi, on est vraiment vraiment bien, hein. Faut pas l'oublier ça. Et au niveau des réfugiés, du coup, l'Europe a décidé de se les répartir de façon égale. Donc, il y a eu pas mal de réfugiés là qui sont arrivés à Paris récemment. Et espérons que la France va bien les traiter et que ça va bien se passer, ça j'en doute pas. Et donc, pour l'instant, la situation en Syrie ne s'améliore pas beaucoup. Il y a eu quelques postes de repris par les armées syriennes, françaises et américaines. Mais bon, ils continuent toujours leur expansion de d'autres côtés. Donc, eux, ils sont de l'intérieur, du coup, ils peuvent attaquer de tous les fronts. Et les bombardements sont pratiquement inutiles. Du coup, pour l'instant, personne n'a de réelle solution pour endiguer ce phénomène. Espérons que ça va s'améliorer dans le futur et que justement, un jour, la Syrie repart sur de bonnes bases. Bon, j'avais vu une prédiction de Nostradamus aussi pour finir. Bon, je dis pas que j'y crois, mais Nostradamus a dit que normalement, en 2019, je crois, ou je vous dis peut-être des bêtises. Ça devrait s'arrêter et tout le monde vivra pour la première fois de l'histoire de l'humanité en harmonie. Je vous ferai peut-être une vidéo sur Nostradamus si vous voulez en savoir plus parce qu'il a fait plein de choses troublantes, plein de prédictions assez perturbantes, allons nous dire. Il avait prévu les tours jumelles, il avait prévu Adolf Hitler, enfin il avait prévu plein de choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, c'était plus un point info que la vérité sûre. Mais bon, je pense que ça a fait une petite piqûre de rappel à certains si des fois ils n'ont pas trop compris.
Parce que, enfin, j'ai pas envie de faire comme les médias parce qu'ils le rabâchent plein de fois. J'essaie juste d'expliquer vite fait la situation comme elle est justement. Après, il y a plein de choses de cachées, mais là, je voulais juste faire un point actuel. Hein. Je voulais pas aller dans les profondeurs du truc. Si vous voulez plus de précisions, etc., vous pouvez me le demander en commentaire. Je referai peut-être une vidéo complémentaire un peu plus tard, mais vraiment plus tard quand il y aura des nouvelles infos intéressantes entre guillemets, enfin des choses qui auront bougé. Sinon, bah, je vous dis à bientôt, likez Facebook, follow la chaîne, etc. Et amusez-vous bien avec de futures vidéos. Ciao tout le monde!